Alors, le choix du répertoire s'est fait déjà par plaisir. J'ai voulu mettre des airs qui me plaisent. Le pilier central, c'était la scène finale de Salomé de Strauss. Pour moi, c'est une des plus belles pages de musique au monde. Ça prend aux tripes, c'est une musique très forte. Et donc, on est parti de cette scène et on s'est dit « Ah, mais en fait, il y a aussi Hérodiade de Massenet qui parle du même personnage de Salomé de façon très, très différente. » En fait, ce thème du miroir est venu et ça m'a tout de suite parlé parce que on met en miroir un personnage par deux compositeurs différents. Ça, c'est une des raisons de ce titre. Mais il y a aussi, bien évidemment, la question de l'image. Et c'est drôle parce que dans beaucoup de ces personnages que j'ai choisis, la question de l'image est très présente. C'est-à-dire dans Thaïs qui parle à son miroir, qui dit « Dis-moi que je suis belle ». Et puis Marguerite dans Gounod qui dit « Ah, je ris de me voir si belle en ce miroir ». J'ai voulu favoriser dans cet album, c'est le répertoire français, parce que j'ai voulu aussi me présenter en tant que chanteuse française, même si je suis franco-danoise, j'ai fait mes études en France, le français c'est vraiment la langue dans laquelle je me sens le plus entière, et c'est une façon pour moi de mettre à l'honneur cette langue et ce répertoire qui me touche beaucoup, et qui me permet en tout cas de m'exprimer pleinement. Absolument qui je suis, tout en pensant extrêmement au personnage que j'interprète. Parce que même si c'est un album, même si ça passe avant tout par l'écoute, j'ai envie de donner une nouvelle vision des personnages. Toute cette question de l'image, elle est très intéressante et c'est pour moi une façon un peu d'exorciser aussi qui suis-je aujourd'hui en tout cas. Et je pense qu'avec tous ces morceaux, j'arrive à donner un portrait assez complet. On verra par la suite ce que ça va donner, mais en tout cas, là, au jour d'aujourd'hui, c'est cet album, c'est tout mon être et dont l'image aussi que j'ai envie de donner.